Deux semaines après l'attentat contre la DEA, nous apprenons à l'instant le décès tragique de Jessica Stone, la fille de Patrick Stone, lui-même victime de l'attentat qui avait coûté la vie à sept agents fédéraux. Des sources officieuses nous rapportent que Mademoiselle Stone était citée comme témoin dans l'enquête sur l'attentat, et sous la protection directe d'une force d'intervention spécialement mise sur pied pour retrouver les terroristes. Le ministère de la Justice... Combien ils t'ont payé, fils de pute? Combien? Vous essayez de me dire quoi? On sait que Don Levy t'a donné la clé. Jess a tout vu. T'es dans quel camp, putain de merde? Et j'étais censé faire quoi, moi? L'un d'entre vous m'a balancé à la police des polices, bordel! Je sais plus à qui me fier. Mais sûrement pas à cette pute. Quoi? Tu te souviens comment Don Levy a été refroidi? Tu penses vraiment qu'Alvarez a pu l'atteindre dans cette foule? Qu'est-ce que tu insinues, putain? Il n'insinue rien du tout, il affirme que c'est toi qui l'as dégommé. C'est dingue! Don Levy était un pourri, il travaillait pour le cartel. Ben voyons. Qui t'a dit ça? Waters? Tu l'as appelé, pas vrai? C'est pas Dixon qui a amené Alvarez au club, c'est toi. Non mais tu réfléchis à ce que tu dis là? Je t'ai vu parler à Alvarez quand on était avec Duke. Et ensuite cette pauvre fille... Me fous pas ça sur le dos! T'étais tellement occupé à plomber Alvarez que tu te foutais bien de blesser quelqu'un. Qu'est-ce que tu trafiques avec Alvarez? Qu'est-ce qu'il cherche avec toi? Il a dit qu'il me donnerait l'heure et le lieu du rendez-vous avec Duke en échange de l'argent qu'on a volé à Juan. Il doit me contacter. Alvarez est une ordure, mais si on veut Mendoza... C'est pas seulement une ordure, c'est un psychopathe. Et il est hors de question que je passe un marché avec ce fils de pute. Où est la clé? La voilà, mais à quoi elle nous sert? Je sais même pas ce que ça veut dire, Eagle Pass. Putain de code à la con. Moi, je sais. Accouche? C'est quoi? La question n'est pas quoi, mais où? La Policía Federal de México está investigando lo que parece ser una violenta balacera cerca de la carretera 2 por Lago Seco, 30 millas al oeste de Ciudad Juárez. Se han encontrado varios muertos, pero todavía no han sido identificados. Un oficial dice que hasta la fecha aún no se tiene ninguna pista sobre estos asesinatos, pero continúan con la investigación. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos va de camino a la Ciudad de México para una cumbre internacional en comercio. Cet enregistrement. Je serai probablement mort. Comme tu le sais, j'enquête sur un trafic d'armement militaire entre les États-Unis et le Mexique. On a réussi à recruter quelqu'un au sein du cartel Mendoza. J'imagine que tu vois de qui je veux parler. D'après lui, ce merdier remonte jusque dans les plus hautes sphères. Ils ont même réussi à se payer quelqu'un en plein cœur du ministère de la Justice. Et pas un petit scribouillard de merde. L'assistante spéciale du procureur général des États-Unis, rien que ça. Shen Dixon. Elle poursuit tous les autres cartels et protège Mendoza. C'est elle qui a mis en contact Mendoza et son fournisseur. Et je pense qu'elle est responsable de la mort d'un agent de la DEA.
Mais voilà, la DEA ne sait pas qu'un de nos gars fait partie du cartel, et pour le protéger, on couvre tout un tas de saloperies. Ça me rappelle ce putain de Vietnam. Il était jamais question de faire le bon truc, mais de choisir le moins mauvais. Sacrifier sciemment quelques personnes, dans l'intérêt général. Je sais pas ce que tu peux faire de ces infos, mais il fallait que quelqu'un sache. Merde. Papa, est-ce que ça va ? Tout va bien, ma chérie. Il est tard. Tu devrais aller te coucher. On se verra demain matin. J'ai une réunion à la DEA aujourd'hui. On verra bien ce que ça donne. Ouais, on a vu le résultat. Ça ne prouve rien. C'est des rumeurs. Il nous faut Duke ou Mendoza ou n'importe qui du cartel service. Pour que ça devienne une preuve. Je voudrais que tu remettes ça à un de mes vieux amis. Un ancien ami, plus exactement. Ben McCall. Ce message lui est destiné. Ben, si tu entends ça, tu sauras que je suis mort. Je voulais juste m'excuser. Tu avais raison. Depuis le début. À l'époque de Saigon, j'ai écouté Tony au lieu de t'écouter toi. Je ne me le suis jamais pardonné. T'es un chic type. Tu l'as toujours été. Il suffit de voir comme tu t'es battu pour rendre justice à cette pauvre Vietnamienne massacrée. T'as jamais lâché, même quand ils t'ont démonté. C'est pour ça que je t'ai envoyé Duess. J'ai confiance en personne d'autre pour la protéger. Avec toi, je sais qu'elle est en sécurité. Je suis désolé. C'est Alvarez. Alvarez. Ben, c'est toi ? T'arrives pas à lâcher l'affaire, hein ? Pourtant, Saigon, ça date pas d'hier, mon pote. Alors pourquoi j'ai l'impression que c'était hier ? Il est pas question que je te laisse t'en tirer comme ça. Mais malheureusement, je suis du genre réaliste. Alors allons-y. Dis-moi où je dois te laisser ton putain de fric. C'est cette ferme là-bas ? Si l'otage nous a pas menti, bien sûr. Tenez-vous prêts. Prenez ce qu'il vous faut et montez dans la voiture. La rencontre aura lieu en dehors de Juarez, dans les ruines d'un ancien fort, près de la frontière. Mendoza y planque la collection d'art aztèque qu'il a piqué et qui veut refourguer à Duke. Mais ce fort a d'autres secrets. Il y a un tunnel souterrain menant tout droit des donjons jusqu'à la frontière. Idéal pour passer de la cam, des clandestins ou des armes. Le côté américain du tunnel est dissimulé au sous-sol d'une ancienne ferme, moins d'un kilomètre après la frontière. C'est le moyen le plus sûr pour traverser. On s'y retrouve le 8 août, à midi pétante. Ben, écoute-moi. Je connais un collectionneur qui paye un max pour les vieux trucs. Et j'ai super besoin d'argent pour le bébé. Tu pourrais m'aider ? Si ça peut te sortir de la rue. Je sais, Ben. Tu le sais en plus. Et s'il commence à tirer ? On répond. C'est-il pas mignon ? Je peux vous aider ? Ouais, Brigade des Mœurs. On est là pour enquêter sur l'implication de mineurs dans une production pornographique. Pornographique ? On peut faire un petit tour ? Vous avez un mandat ? Ouais, on peut en avoir un. Mais avec, on ramène les brigades de choc, les chiens et la moitié des shérifs du pays. Ça te va ? C'est une propriété privée, du con. Montrez-moi un mandat ou cassez-vous d'ici. Tu vois, ton attitude de petit trou du cul me fait penser que tu caches quelque chose. Et ça, c'est pas bon pour ta sale gueule. Ah, je crois que je l'ai énervé. On fait sauter la serrure et on entre. Tirez-vous là.
baissez la tête. Fouillez la grange. Ils se sont barricadés. On y va, à mon signal. Chut. En position. Allez. Hé, hey, du con. Tuez-les tous. À terre. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Je pense qu'ils sont tous morts. Crame tout, qui grille ces bâtards. Merde, c'est en train de cramer. Ouvrez la porte! Le toit va s'effondrer! Arméro, dégommez-le! Sortez d'ici! Vite! Evans, par ici! C'est par où maintenant? Laissez pas sortir! Vers l'immeuble! Allez! Ils ont une putain de mitrailleuse! Mettez-vous à couvert! J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de genre. Sors de ta cachette, salope! Prenez-les par la gauche! Putain, je vais te tuer! Tout va bien! Venez là! Allez au sous-sol!
Attendez, bougez pas. On a des tangos en dessous. Tenez-vous prêts. Maintenant. T1, tout le monde à terre. Police, tout le monde à terre. Faut vous en occuper, on dirait. Je crois que ça y est. L'entrée du tunnel est quelque part là-dessous. Y a rien ici. Alvarez s'est foutu de notre gueule. C'est ici, forcément. C'est caché, c'est tout. Fouillez chaque centimètre, on rasera toute cette merde s'il le faut. Je dois vraiment me faufiler ? Alvarez a dit que l'entrée se trouvait dans un mur. Je vous le dis, ce connard s'est foutu de nous. Je vois rien. J'ai trouvé quelque chose. Voyons voir. En fait, je crois qu'il s'est pas foutu de nous. En tout cas, pas cette fois. Allons-y. Restez groupés et gardez les yeux ouverts. Les dames d'abord. Comme celui-là. Certains vieux forts espagnols avaient des tunnels d'évacuation. Ça pourrait bien être un de ceux-là. Les contrebandiers ont fait passer tellement de merde depuis que cette frontière existe. Je parie même que la mafia utilisait ce tunnel pendant la Prohibition. C'est là que Juarez est vraiment parti en couille. Depuis, c'est devenu le paradis du trafic. Si t'as de l'argent, t'y vas, et tu peux obtenir tout ce que tu veux. Vous entendez ça? T'es encore perdu? Je supporte pas cet endroit. Ça pue le bonnet. Je regardais, et voici... parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Laissez-en, copains! Vous ratez pas souvent, hein. Continuons d'avancer. J'aimerais sortir de cette merde le plus vite possible. Je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. Merde! Quelqu'un droit devant. Neutralisez-les rapidement!
Faut pas qu'ils appellent leurs potes. Faites tes terres, butez-les. Ils ont piégé le tunnel. Barrez-vous! Tout s'effondre! Courez! Vous êtes encore vivant ? Vous êtes où ? J'en ai aucune idée. Bon Dieu de merde. C'était trop chaud. Tirons-nous d'ici ! Prêt à leur tanner la couenne ? J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis. Ou un truc de genre. Tuez-les ! Vous avez qu'à tirer à pile ou face ? Par là. C'est des impacts de balles, ça ? Je suis sûr qu'on peut trouver des squelettes en cherchant bien. Un paquet de connards sont morts là-dessous en faisant passer des conneries par la frontière. Vous en pensez quoi, Ben ? Ces impacts ont sûrement plus de 100 ans. Je crois que vous devriez moins la ramener et faire plus attention. On est juste en dessous du fort, alors fermez vos gueules ! Silence.
Je crois que ce chemin mène à la cour intérieure. Tout va bien. Allez, bouge ton gros cul! Eh ben ça va, je me dépêche, te signale. T'as vu ces beautés? Et si je m'en prenais une? Rien qu'une! C'est pas la mort! Il y a quelqu'un là-dedans, vous entendez? Vous êtes prêts? En piste. On entre à mon signal! Allez! FBI! Police! Baissez la tête! À droite! Dehors! Il faut choper les armes! On bouge! Maniez-vous, Gérard! On dirait que ces enfoirés vont rester plantés là! Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée! Droite.
voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et portait une balle avec ton putain de nom inscrit dessus. J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Oh putain! Et maintenant? Maintenant, on fait tout disparaître. Duke et Mendoza vont être tellement furieux. C'est bien l'idée, qu'ils se sautent à la gorge un peu. C'est ma mission dans la vie. Péter les couilles des fils de pute de racailles comme ces deux merdeux-là. Tu connais la légende locale sur Lord Juarez. Jesus rêvait de le découvrir quand il était petit. C'était la rançon de Montezuma, retenue en otage par Hernando Cortés. Ils l'ont cachée dans les collines près de Juarez. Elle était considérée comme maudite. Je crois pas aux contes de fées. Moi non plus, amigo. Mais l'or a disparu. Et mon unique enfant avec lui. Et tu étais censé le protéger! Ah ouais? Et comment j'aurais pu réussir? Toute la police de LA est à la solde de ton salopard de trafiquant d'armes. Duke vient de m'envoyer un message. Regarde. Putain. Duke nous a enfumés tous les deux. Et le flic qui a tué ton fils. Pour qui tu crois qu'il bosse, hein? Il a pris l'or. Il a tout pris. Tu veux que je le retrouve? Pour l'instant... Je veux juste enterrer mon fils. Chef, on vient de recevoir un message de Mendoza. Je vous pose la question directe. Votre équipe a-t-elle persuadé un petit dealer du nom de Flaco de contacter Aranha? C'est possible. Pourquoi? C'était une idée de Guerra. Pourquoi?
Parce que l'un des types qu'on a arrêté au club prétend qu'Aranha est au courant. Qu'on leur a dit que si quelqu'un évoquait le cash du cartel, cette personne bosserait pour les flics. Voilà pourquoi Flaco a été refroidi. Pourquoi Guerra aurait lâché le morceau, d'après vous? Parce que Flaco dealait pour lui. Parce qu'on sait qu'il est pourri. Parce que Flaco dealait pour lui. Parce qu'on sait qu'il est pourri. La question, c'est de savoir à quel point et qui est mort à cause de ça. Je pense que vous devriez l'arrêter, McCall. Et Evans aussi. Arrivé là, je ferai confiance à aucun des deux. Vous êtes où, là? Où on est? Au plus profond de la merde, à mon avis. On pourra pas en revenir.